Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépend pour qui. Alors, je vous retrouve après 15 ans sans avoir tourné une vidéo classique. Je n'ai fait que des lives ces derniers temps. Et bon, il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis, dont Luigi's Mansion 3 que j'ai fini de mon côté, qui est un jeu génial. J'ai kiffé chaque seconde passée sur ce jeu. Je le recommande à ceux qui n'y ont pas touché, mais aujourd'hui, je suis pas là pour le mode histoire. Je suis là pour la tour hantée que j'ai déjà testée de mon côté. Alors, pourquoi je voulais faire une petite session de manoir hanté? Parce que tout simplement, j'adore. Enfin, je trouve ça très très rigolo en fait, mais surtout, attends, c'est quoi le bon? Peu importe. Surtout parce que je voulais faire des vidéos un peu pendant mon absence, donc du coup, c'est des vidéos tournées à l'avance que j'aimerais sortir bah, pendant mon absence en fait. Je suis pas là du 4 au 10, et le 10 au soir, petite, enfin, gros live même plutôt, solo duo, non, solo, on va jouer en ligne. Hop là. C'est bon? Bref. Le soir du 10, donc 20h live, tout le monde. Live énorme. Où je ferai. On va rejoindre une partie. Du niveau, allez go. Live énorme dans lequel je vais tester la nouvelle mise à jour de Mario Maker 2. Donc, faire vos niveaux en priorité, évidemment. Ok. Ellipse, le temps que je rejoigne une partie. Alors, changement de plan, j'ai décidé de créer ma nouvelle partie. Oh, oui, ils sont des... Waouh! Ok, bon, je l'ai créé il y a genre 2 secondes. Très bien, tant mieux. Bon, je vais pas me plaindre. Bah, c'est cool. Ils ont rejoint très vite. J'ai attendu, attends, je devais attendre 2 minutes 50 pour l'autre. Je crée une partie et les gens rejoignent directement, c'est cool. Bonjour. Enfin bref, je compte sur vous pour me faire des niveaux Zelda évidemment, non, autre que Zelda aussi, mais des niveaux incroyables. Et d'ailleurs, j'ai même envie de tester de mon côté cette mise à jour pour peut-être créer des niveaux enfin des vrais niveaux, je veux dire. Ok. Alors mon record, c'est je sais même plus c'est quoi mon record. Alors pour ceux qui connaissent pas, le but ça va être de capturer et de faire bah pas forcément que des fantômes, mais en gros on aura, je suis le vert, très bien, cool. De capturer soit des fantômes, soit de remplir les défis que bah, le jeu nous demande de remplir. Bon, ici, souvent, il y a des trucs cachés. Alors, ça fait 15 ans que j'ai pas touché à Luigi's Mansion, désolé si je vais être un peu rouillée. Et souvent, ça peut être des objets bonus qui vont nous aider. Ok. J'ai eu absolument rien du tout et j'ai fait perdre du temps à mon équipe, super. Parce qu'en général, dans les balcons, il n'y a rien de spécial. Il n'y a même pas de fantômes pour dire. Bon, je vais voir de ce côté. Oh. Go. Par exemple, on peut avoir des... Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas capturé un fantôme. Oh non, il me l'a volé! Bon, je lui ai un peu volé aussi, mais c'est pas je sais que j'ai des S quand on fait ça, donc... Je vais sortir, je vais le laisser s'occuper du fantôme. Oh, il y a des fantômes ici. Alors, du coup... Ouh là 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 là. Ah non, non, tu viens pas me le voler, je te l'ai laissé, maintenant tu me laisses les miens. Ok, c'est bon. Heureusement. Bon. Il est où? Ah, il est là. Du coup, bon, j'ai pas vraiment de stratégie pour ce genre de jeu parce que je suis pas vraiment forte non plus, quoi. Explorer et peut-être. Parfois, il y a des trucs qu'on doit faire en coop aussi, on doit tous se réunir dans une salle et on doit compter sur les autres pour qu'ils viennent. Ok, très bien. Là, c'est pour Gluddy, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de. Pas besoin de quelque chose de spécial. Alors, il peut y avoir des trucs cachés un peu partout, c'est vrai. Il faut faire attention, genre. Ok, là j'ai ma manette qui vibre. Alors, là, ce genre de pièce, par exemple, je vais vous montrer 2 secondes. Il faut qu'on tous. Oula, qu'on soit tous réunis en fait. Et une fois qu'on sera tous réunis, eh bien, on pourra ouvrir la porte et faire les dernières salles. D'ailleurs, je pense qu'on devra bientôt y aller. Ok, il y a un mec qui sait. Oh, regardez ce qu'il a comme objet. Il a le truc qui lui permet de détecter les fantômes, plus l'aspirateur hyper stylé, qui te permet de taper directement les fantômes en fait. C'est-à-dire que t'as même pas besoin de les aspirer à mort pour pouvoir les taper. Ok, donc là c'est là d'où on vient. Par ici. Ok. Je pense qu'on va devoir tous se réunir dans la salle. À un moment donné, on est obligé. Je vais y aller maintenant. Donc voilà, c'est un petit mini-jeu sympa.
si jamais il y en a qui... ouais, on doit aussi sortir le Luigi pour avoir le maximum de poids possible. Si jamais il y en a qui veulent jouer avec moi à l'occasion, que ce soit en vocal ou même normalement, vous pouvez toujours le faire. Je vous invite à rejoindre mon serveur et à me proposer. Faudrait qu'on s'organise ça soit en live, soit en vidéo classique, on verra. Voilà, je trouve ce mode bien sympa, donc j'ai pas testé les autres parce qu'il faut jouer en local et... et c'est la tristesse quoi. Comment on se débarrasse de Luigi déjà? Ah oui. Ouais, je suis un petit peu rouillée, hein. J'ai pas joué depuis longtemps. Ok. Je vais aider aussi. Hop là. Ok, il en reste un, je sais pas où il est. Là. Je l'ai. Hop là. Alors en haut, je suppose qu'il y aura un balcon, donc ça ne sert à rien. Voyons voir à droite. Il nous reste, bah, pas beaucoup de fantômes. 4. Ici. Hein. Ah, je sens une aide vibrer, je sais pas ce que c'est. Oula, 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 oula. Ok. Ils ont nettoyé. Donc ça peut être que là-bas, du coup. Ouais, il nous reste 1042. Bah, c'est bon, il a fini. Ok. Niveau 1 terminé. Bon, je pense que vous avez compris un petit peu le principe pour ceux qui connaissaient pas. Donc j'ai vraiment rien fait de la partie. Je me suis promenée. Ok, bon, moi c'est fait. Oh yeah! Luigi me fait rire. Luigi me fait bien rire. Ok. J'ai cru que ça buguait pendant un instant. Bon, on est au niveau 2. Okay. Là, on est toujours sur les mêmes délires. Hein. Capturer des fantômes, je sais que j'ai déjà fait des étages où il fallait tuer des corbeaux, enfin, aspirer les corbeaux. Il y a plusieurs missions. Alors là, c'est un fake coffre, c'est obvious, quoi. Bon, on va se faire avoir. Ah non, même pas. J'ai vraiment cru que c'était un fake. Ok, bon, lui, il est déjà occupé. Je vais le laisser finir. Oh merde! Il est sérieux, il est passé devant moi, il a rien fait. Après, c'est pas lui que j'essaie de voler tout à l'heure. Peut-être que c'est pour ça qu'il veut pas m'aider. On dit merci évidemment parce qu'on est poli. Ici. Il y a absolument rien. On va aller en bas. Hop là. Là c'est un piège clairement. Alors faut surtout pas y aller. Ok. On va changer. Ah, on a des rouges un peu. Je peux pas passer bonjour, ok. Oh non, il m'a eu pendant que je... Oh le méchant! J'ai les deux en même temps? J'ai les deux en même temps. Ça c'est hyper satisfaisant. De tout les gars. Je sens des présences. Ah c'est bon, ils sont là. Je sais pas pourquoi vous êtes allés aussi loin. Ah! Non mais please, arrêtez! Mais putain, ils sont relous eux! Quand ils sont deux comme ça, c'est chiant parce que bah, ils te donnent des coups de poing, gars, t'es par terre en deux secondes quoi. Ok, lui c'est fait. Maintenant viens là. J'ai 49 de vie quand même, c'est pas beaucoup. Ok. Ça c'est fait. Oh, on a fini le niveau 2 du coup. Ok, cool. Cool, cool, cool. Luigi time, ouais. On l'a fait en 2 secondes, putain. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'on va changer un petit peu de défi, vous pensez? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être encore des fantômes? Je branche mon ordi en même temps qui est en train de décéder actuellement. Voilà. Alors, prochain étage. Ok. Ramasser l'argent. Oh, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu ça. Ok, on est tous dans la même pièce. On va aller ici. J'ai appelé quelqu'un. Les gars. Allez, on se ramène, s'il vous plaît. Faut qu'on ramasse la thune. Mais ils viendront jamais, je crois.
ça, prendre un... Je suis en train de gratter le plus de thunes possible, mais... Je connais pas trop cette mission, donc je sais pas ce qui est le plus rapide. Hein. Personne viendra. Hein. Il y a un putain de carton qui demande à être ouvert. Mais je ne sais pas si c'est rentable. Un mec, il veut pas venir, je crois. Je suis en train de perdre du temps parce que personne ne vient. Attends, il y a un fantôme ici? Où? What? De l'argent? Ok. Quelqu'un vient? Oh mon dieu, lui va rapporter de la thune. Oh, il y en a deux en plus, trop bien. Eux, ils rapportent de la thune, non? Ouais, eux, ils rapportent grave de la thune. Ok, cool. On a bien fait. J'ai eu peur que ce soit une perte de temps, mais en fait, non, ça va. Ça va. Il y a pire comme perte de temps, quand même. Ok, on va faire d'autres salles. Je crois que quand ma manette vibre comme ça, je crois que c'est parce qu'il y a un fantôme. Je ne suis pas sûre. Ici, il y a forcément de l'argent. Hop là. Ouais. Ouh, il y a un lago. Ok, on est pratiquement à la moitié de la thune. Ce qui n'est pas mal du tout. Il nous reste 2048. Bon, après, on a eu la thune facile, donc forcément, la suite sera peut-être plus dure. Ok, mais qu'est-ce que t'auras pour moi? Oh! Des lunettes! Ok, donc là, on peut voir tous les trucs cachés, c'est cool. Là, par exemple, il y a un bout. Alors, est-ce qu'il rapporte vraiment beaucoup de thunes? Quand même. Je vais les faire vite fait. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, quand ça fait ça, ça veut dire que la lumière est partie. Oh mon dieu! Ok. Comment on fait pour établir le courant, du coup? Et là, il n'y a rien? Non. On a 6300. Ça monte petit à petit. Donc là, pour une fois, les balcons, ils servent à quelque chose. Hein. C'est pas non plus inutile. Alors c'est cool parce que je peux voir vraiment tous les trucs invisibles comme ça. Tu peux pas appuyer? UG? Il y a X. Ah voilà. Oh! Voilà, ça vaut le coup. Bon, par contre, ils vont remettre la lumière un jour, vous pensez ou pas? Ah, et du coup, il avance tout doucement, lui dire. Ok, on va faire ça. Oh, ok. Alors ça, c'est pour aspirer les fantômes tellement fort que du coup, on peut directement les balancer partout comme des sacs, en fait. Allez, donne-moi la thune. Oui, donne-moi ça. Ok, on a gagné du temps. Je crois que j'ai gagné du temps, ouais. Il y a un mec, il a appelé à l'aide tout à l'heure, je vais aller le voir. Qu'est-ce qu'il veut? What? What? Qui a remis la lumière? Ok. Là, il y a un truc. Ok. Par contre, il nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que je peux... Non. Il va falloir qu'on se grouille un peu, là, légèrement. Il y a une salle ici. Alors, j'y suis pas allée, mais quelqu'un d'autre y est allé. Est-ce que tout a été fait? J'ai l'impression que oui. Ici, il y a un truc. Ah, pour le coup, dans les autres parties, chercher dans les trucs invisibles, c'est le pire truc parce que ça te fait perdre du temps, mais là, c'est legit parce qu'il te faut de l'argent, en fait. Donc, c'est pas non plus inutile, quoi. Ok, ici il a besoin d'aide. Vas-y, fais-le. Fais-le, t'es là. Go! Allez. Mais moi j'ai le truc super stylé qui me permet de les aspirer en deux secondes. Ok, très bien. Prenez la thune, il nous reste une minute.
Ça va être tendu. Ça va être tendu là. Je le sens pas très bien, je vous avoue. Ah. Ok. Go prendre la thune, les gars. Go prendre la thune. Alors, ok, re. Par contre, on va perdre. Il y a quelqu'un qui nous a fait gagner du temps. Mais. Ouais, désolé pour la petite illusion. Il y a quelqu'un qui nous a fait gagner du temps, mais il nous reste 24 secondes. On n'aura jamais assez de thune. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ça va être tendu, ça va être tendu. Oh! Quelqu'un l'a eu, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'était tendu, je sais pas qui nous a sauvés, mais. C'était tendu. Bon, on est à 3 niveaux. Est-ce qu'on va changer d'objectif ou on va encore faire des fantômes? Ok, on est ensemble. Capturer les fantômes. Ah, il y a quelque chose ici, c'est obligé. Ok, ouh, il y en a 3! Attends, j'en ai vu 3 ou je rêve? Oh, il y en a plus que 3 en fait! Ouh là là! Ok, il faut clean cet endroit. Toi, tu viens. Oh merde, je l'ai loupé. Aïe! Ça. Ouh, il y en a 1000! Il y en a combien ici? Allez, toi, tu vas prendre cher. Allez, reviens ici. Oh, il y a un rouge! Ah là, lui, il fait beau par contre. Lui, il fait vraiment mal. Putain, il y a un cœur. Il y a un cœur. Ok. Maintenant, faut surtout pas se faire avoir par le mec jaune. Enfin, par le fantôme jaune plutôt. Allez, il est où, il est où, il est où? Oh mon dieu, les bananes. Ok, il y a les deux. Oh, j'ai les deux en même temps. Un rouge et un jaune en même temps. Hé hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Hop là. C'est moi qui ai tout fait, j'ai fait toute cette salle, les gars. Ok, c'est bon, ils me l'ont donné à moi. Ouh. C'était. J'en ai. Attends, 19, on a 19, j'en ai fait combien? Je sais plus du tout. En tout cas, j'en ai fait pas mal. Hein. Ok, les balcons, c'est inutile. À part pour avoir des objets, mais bon. Ici, ça a l'air d'être clean. On peut voir sur la carte si c'est clean. Ouais, ça a été clean ici. Dès qu'il y a le signe des fantômes avec un petit V, c'est clean. Oula! Ok, je les laisse faire. Je vais partir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de moi ici. Oh, on a fini! Bah du coup je vais m'arrêter là pour cet épisode, je pense que je vais continuer, je vais faire la suite dans le prochain, on va faire, c'est pas vraiment une petite série mais histoire de continuer dans une autre vidéo, et je vous retrouve après.